L'actrice classe égale à Cheryl Jamie Lee Curtis a tendrement annoncé que sa fille cadette avait fait son coming out transgenre. Dans une interview accordée au magazine AARP, paru le jeudi 29 juillet 2021. L'américaine a expliqué avoir vu avec son mari Christophe et Gast leur fils, Thomas, devenir merveilleusement notre fille. Ruby. Ils ont également annoncé une grande et belle nouvelle, le mariage de Ruby, 25 ans, et de son fiancé. Une cérémonie que Jamie Lee Curtis présidera. La jeune Ruby travaille dans le milieu du gaming, alors que sa sœur aînée, Annie, 34 ans, est professeure de danse. Pour l'heure, pas de petit enfant à l'horizon pour Jamie Lee Curtis. J'espère en avoir. A confié la star au magazine américain. La transition de sa fille Ruby l'a beaucoup aidé à réaliser que le genre n'était pas une notion stricte et que la vie était en métamorphose constante. Lors de cet entretien, Jamie Lee Curtis s'est aussi confiée sur ses 22 années de sobriété. Elle serait morte à coup sûr si elle avait continué de consommer autant d'alcool. Aujourd'hui, elle se décrit comme une personne sobre, imparfaite, contradictoire. Brisée et rachetée, qui s'efforce de supprimer tout ce qui ne conviendrait pas à ce style de vie. Laissons ça de côté, je n'en ai pas besoin. Tout ce qui compte, ce sont ces vieilles idées qui ne fonctionnent plus, philosophe l'actrice de 62 ans. Au cours de l'interview, Jamie Lee Curtis apparaît résolument heureuse, en plein élan de créativité. Elle affiche d'ailleurs un large sourire en couverture de ARP. Heureuse d'être moi. Heureuse de créer autant. Heureuse d'être sobre. Heureuse que ma famille soit en sécurité et florissante. Virgule, je souris rarement sur les photos. Une vieille idée, a-t-elle écrit sur Instagram. Jamie Lee Curtis a longuement travaillé sur le prochain Halloween, dont la sortie est prévue pour l'automne 2021. Et celui d'après, Halloween en, prévu en 2022.